Jeudi. Jeudi 4. Jeudi 4 janvier. Je vous prends peut-être pas très longtemps, je ne sais pas encore. Il est 5h30. Je viens de rentrer du boulot. Oh, putain, j'arrive. Hop. Je viens de rentrer du boulot. J'ai un petit peu mieux dormi cette nuit. Donc voilà, ça m'a quand même fait un peu de bien, mais j'ai quand même. Alors, j'ai pas ma grippe de l'autre fois. Hein. Je vous l'ai déjà dit hier, mais je suis bien. Hein. Je suis quand même vaseuse quoi de ma crève. Là, ça m'énerve. Je suis vraiment. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça me fatigue beaucoup. Et du coup, je suis un peu ramollo, mollasse et tout, c'est horrible. Et au boulot, c'est encore pire. Aujourd'hui, je suis super débordée et tout. C'est affreux. Bon, demain, c'est le dernier jour, mais bon. Faut encore tenir tout demain. Donc voilà. Donc j'ai hâte d'être ce week-end. J'ai hâte d'avoir mon fils aussi. Lui, il a hâte de rentrer. Pauvre petit père. Et ah non, il est 17h20. Donc voilà, je ne l'ai pas encore appelé ce soir, je vais l'appeler tout à l'heure. J'ai des cartes de vœux à écrire. J'ai le temps hein, en ce moment, parce que enfin, le soir, je suis seule, je suis avec David, mais j'ai pas Alexis, j'ai pas de devoir à faire, j'ai pas à m'occuper de lui et tout ça. J'ai une flemmingite aiguë, mes amis. Tellement je suis fatiguée, je me couche super tôt le soir en plus. Et du coup, bah voilà, je ne fais rien. Et je ne sais pas comment je me débrouille, je suis déjà en retard. J'ai déjà 24 vidéos à regarder plus tard sur YouTube. Alors c'est vrai que j'en ai profité pour faire quelques petits rangements de tri, tout ça. Je ne vous ai pas forcément tout filmé. Je suis désolée, je renifle, c'est horrible. Mais voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je repensais à mes cartes là. Les cartes, la carterie que je ne referai plus parce que ça m'apporte rien à moi, ça me plaît pas. J'admire celles qui en font, ça me donne envie. C'est vrai que ça m'a toujours donné envie, mais du coup, c'est pas mon truc. Donc je vais pas insister. J'en ai fait 4 ou 5 en tout. Je vais pas insister parce que ça sert à rien. Donc j'écrirai des cartes toutes faites que j'achèterai et ça sera très bien. Et du coup, je pense que je vais faire un petit tri dans tout mon matériel de carterie, enfin tous les stickers et tout, il y en a certainement que je vais garder quand même pour peut-être agrémenter quelques cartes, coller un petit cœur par-ci par-là, c'est sympa. Mais je pense que je vais me débarrasser du reste, donc je vais certainement donner, envoyer à des copines et tout ça. Donc je pense que je ferai ça en même temps que je ferai mes cartes de vœux. Donc il faut déjà que je trie le tout parce que c'est éparpillé dans trois bacs, trois sacs. Et savoir ce que je garde et ce que je garde pas. Ce soir, je suis toute seule. Enfin, je suis toute seule pour manger. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, comme je suis toute seule, pour éviter de. Mais après, David, il rentre après. Il a passé la journée avec ses parents. Il a fait du télétravail là-bas. Puis du coup, il va se manger là-bas ce soir. Et comme ça, il a vu sa fille et tout qui est là-bas. Chez ses parents. Bref, et qu'est-ce que je veux dire? Donc, il mange là-bas, il rentre après manger. Et moi, comme je veux éviter la déprime, n'est-ce pas? Il vaut bien éviter la déprime, dans ces cas-là, on est bien d'accord. Je pense que je vais me commander du japonais ce soir. Oui, encore. Donc voilà. Donc, c'est pas encore l'heure, hein, mais. Donc voilà. Donc, c'est toujours. Ah merde. Je vous dis à plus tard. J'ai mis ensemble tout mon matériel, entre guillemets matériel,
de scrap que bah, je ne vais pas utiliser, ou plus utiliser, même les petits stickers type ça. Voilà. Donc, il y a un peu de tout. Il y a des papiers comme ça. Ça, je l'avais eu dans le concours de Pomme Pour Orange. Des papiers que j'avais achetés. Donc, enfin, il y a des choses qui ont déjà été utilisées. Donc là, par exemple, j'ai déjà pris des feuilles là-dedans. Hop. Voilà, des embellissements. Du papier comme ça. Il y a un peu de tout dedans. Et ça, c'est tous les fonds de carte, du papier, ben, des feuilles cartonnées, tout ça. Là-dedans. C'est le washi tape d'action qui est pas génialissime hein, parce que il faut souvent recoller, il colle pas. Et là, c'est tout ce qu'elle est différents stickers sous bras. Ou ça, j'ai acheté il n'y a pas longtemps en plus. Donc voilà. Donc tout ça, je vais plus m'en servir. Donc je pense que je vais. Je vais envoyer ça à des copines qui vont. Enfin, je vais donner ça à des copines qui vont s'en servir. Enfin, j'espère qu'ils vont s'en servir. Enfin, oui, qu'ils vont s'en servir. Et qui vont utiliser ça. Bah, mieux que moi et plus. Et surtout qu'ils vont les utiliser, quoi. Parce que du coup, je m'en servirai plus. C'est clair et net. Donc voilà, donc je suis contente d'avoir fait ce petit tri. Là, du coup, je me suis motivée. J'ai sorti aussi mes cartes pour écrire la carte de vœux, mais je sais pas si je vais les faire. En plus, moi, j'envoie des cartes de vœux qui ressemblent pas à des cartes de vœux, forcément. C'est pas forcément marqué Happy New Year, tout ça, mais c'est juste pour. Moi, je vais voir. Je vais peut-être pas faire ça ce soir parce que faut pas trop en faire le même soir. Je plaisante. Et donc voilà, donc je vais répartir déjà les choses que je veux donner, tout ça. Donc voilà, donc ça fait pas mal de trucs et je pense que la personne, enfin les personnes à qui je vais donner, bah bon, j'espère qu'elles seront contentes. Faut que j'arrête de me toucher les cheveux. Donc voilà, donc une bonne chose de faite. Coucou, on est enfin vendredi 5 janvier. Il est 17h10. Je vais rentrer chez moi. Là, je suis passée à la poste, j'ai posté deux colis. Je suis. Alors, vous allez vous dire, je vous dis ça tous les jours, mais je suis vraiment crevée, crevée. J'en ai eu marre cette semaine, c'était trop dur au boulot. Donc, lundi, tous les collègues reviennent, et heureusement, j'ai eu de l'aide aujourd'hui quand même par un autre service, mais j'en ai ras-le-bol. Il y a plein de trucs que j'ai pas pu faire. Enfin, du coup, la semaine prochaine, ma chef qui revient, les collègues qui reviennent, ils vont se dire qu'est-ce que t'as foutu? Enfin, voilà, parce que je pense qu'ils n'imaginaient pas que cette semaine, ça serait aussi difficile. Je suis encore en train de chercher mon téléphone alors que je suis en train de filmer avec. Voilà. Donc, ce week-end. En plus, j'ai appris un truc qui me gave bien. C'est que le 25 et le 26, j'ai un déplacement. On part tout le siège là dans un. On part pas. Enfin, on part dans. Je sais pas, 120 km peut-être, ou centaines de kilomètres, je sais plus. Avec nuit obligatoire, donc 2 jours. Ça me gave ce genre de réunion, mais. Vous ne pouvez pas savoir. Ça me déprime à un point, pourtant il n'y a rien de grave. Mais en plus ça me saoule parce que. Je sais pas. Bref. Je déteste ça. Les déplacements comme ça. Même pas loin, c'est le fait de passer la nuit là-bas. J'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Donc du coup, ça va être David. Donc c'est le 25 et le 26 janvier. Donc David va gérer Alexis le soir et le matin et tout. Et puis bon, heureusement, le 27, on va chez Peggy. Probablement Peggy, si tu regardes cette vidéo, qu'on y viendra avec Alexis, je pense. Enfin, ça peut encore changer, mais bon. Voilà. Alexis, donc il rentre dimanche là. Il a trop hâte de rentrer. Il arrête pas de me dire que je lui manque et tout. Enfin, donc ça me déprime. Enfin, ça me tracasse un peu. Moi aussi, il me manque. Hein. J'ai hâte de le revoir, mais ce qui m'ennuie, c'est qu'il est pas très bien, quoi. Enfin, le temps doit lui paraître bien long. Pourtant, ils font quand même des activités. Il a été un truc du genre, je sais plus comment ça s'appelle, la plaine de jeu, c'est un truc genre Royal Kids, là, avec des activités. Apparemment, il a fait un peu de vélo, bon, il a fait des gâteaux. Bref. Voilà. Donc là, je vais rentrer, je suis flemmarde, mais vous pouvez pas savoir. Je sais,
Mais là, ça fait je sais pas combien de vlogs où je me plains tout le temps. Il va falloir que ça cesse. Bing. C'est le mois de l'Amérique. Donc là, je vais rentrer. Je pense que ce vlog-là, je vais le clôturer. Ah oui, demain, on est samedi. J'ai mon beau-père, enfin, le père de David, qui vient nous ramener la fille de David. Et David la ramènera chez sa mère dimanche. Il vient aussi avec mes nièces et chez ma belle-sœur qui ira chercher ses nièces. Parce que mes nièces étaient aussi chez leurs parents, chez les grands-parents. Et ma belle-sœur va venir chercher ses nièces chez nous. Donc voilà, donc samedi après-midi. Donc voilà, donc ça va vous faire une petite occupation. Et puis, je ne sais pas si samedi matin, on va faire des courses ou quoi ou qu'est-ce. J'en sais rien du tout. Et dimanche, bah, ça sera retour à la normale avec le retour d'Alexis. J'espère que son père ne va pas le ramener trop tard. Parce que comme le lendemain, c'est la rentrée, j'ai envie qu'on révise, enfin, qu'on revoie un peu ce qu'il avait à faire. Enfin, on a fait les trucs avant de partir, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Mon rhume, ça dépend des moments. Il y a des moments ça va, des moments ça va pas. Enfin, des moments je suis presque normale, si on peut dire. Puis des moments je suis bien prise et tout, c'est vraiment pénible. C'est bizarre cette luminosité là. Voilà. Du coup, si je mets la main, vous voyez plus rien. Bref, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et puis et tout et tout et tout et tout et tout et tout. Gros bisous, ciao. Et je vais essayer d'arrêter de me plaindre. J'ai essayé, promis. Parce qu'il y a des choses bien plus graves, j'en suis consciente. Gros bisous.